projet, ça part de l'idée que, bon, évidemment, le thème de l'énergie et le fait qu'on est dans un parc qui a une vocation de préserver une certaine diversité. Puis, je me suis dit, OK, je vais comme ensemencer des graines indigènes, des variétés de plantes qui ne sont pas nécessairement présentes sur le site, mais qui vont favoriser la diversité tout en respectant l'équilibre naturel de la flore du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai fait des cueillettes chez moi, à Roxton Pond. J'habite sur une terre de 12 arpents. J'en ai fait ensuite, en route, là, je suis arrêtée au Témiscouata, où j'ai une terre forestière. Oui. J'ai fait des cueillettes là aussi. Et ensuite, j'avais un rendez-vous à Edmundston avec le botaniste Rick Fournier, puis Chantal Dufour, qui est l'herboriste qui a créé le nouveau jardin de plantes médicinales qui est là. Parce que j'en ai cueilli peut-être une trentaine d'espèces, puis finalement, j'en ai retenu 9. Est-ce que ça va pousser? Moi, je ne donne aucune garantie. C'est un geste qui est plutôt symbolique, mais il y a quand même des chances. Chicorée sauvage. Et évidemment, on en jette un peu. Les crab apples.